Bismillah, salam alaikum. Bonjour à tous. Comment allez-vous, les amis? Ça va bien, tranquille. Ça se passe, les vacances. Donc aujourd'hui, on fait le jus de pamplemousse. C'est très facile à faire et c'est très bon pour la santé. Bien sûr, le nombre de pamplemousse dépend du nombre de personnes. Donc il n'y a pas de quantité à donner. Donc voilà. C'est très bon pour la santé, très bon pour la tension également, mais attention, il faut, si on prend des médicaments, il faut pas le prendre parce qu'il annule les médicaments. Donc voilà, après, il faut demander à votre médecin ou pour ceux qui prennent. Donc pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche, bien sûr, celle-ci. Et de liker la vidéo, de la partager si infinité et de me dire ce que vous en pensez de cette recette. Donc c'est parti pour le jus de pamplemousse. Alors moi j'avais déjà commencé bien avant, donc j'ai utilisé 3 ou 4 jus de pamplemousse. À savoir que le jus de pamplemousse est moitié sucré, moitié acide, acide, sucré, légèrement, mais bon, c'est pas trop, je veux dire, c'est pas trop intense, donc c'est buvable, même pour ceux qui n'aiment pas le jus de pamplemousse. Après, bon, alors, tout dépend des goûts de chacun, mais c'est très bon, c'est très rafraîchissant. Et puis, voilà. Donc, je presse bien mes jus de pamplemousse. Bien sûr, il faut couper en deux, hein. Donc, après, je récupère la pulpe, mais pas la peau, hein, la peau intérieure du pamplemousse, juste la pulpe. S'il y a des grosses, je veux dire, la peau, des grosses peaux, en fait, celles qui se mixent pas, enlevez les. Vous gardez juste la pulpe et puis on va mettre un tout petit peu de jus et puis on va la mixer bien comme il faut. Hein. Et après, on va la rajouter. Au jus, tout simplement, vu que c'est dommage de gaspiller. On devrait faire la même chose aussi pour le jus d'orange. Pour ceux qui pressent le jus d'orange, il faut le faire, quoi. Ce serait dommage de gaspiller. Donc, on peut encore mixer encore un petit peu plus si on a un bon robot. Donc, voilà. Ensuite, je remélange le tout bien comme il faut, et après, je mets dans un pichet, et puis. Je goûte et puis après tous les matins, voilà, tous les matins de préférence, hein, c'est mieux. Et puis voilà quoi, ça. Je vous ai mis hein, tous les bienfaits du jus de pamplemousse. J'essaierai de mettre un petit peu d'explication dans le descriptif parce qu'il y a des mots quand même qu'on ne comprend pas. Donc voilà. Donc après, à déguster, bon, moi, il y a juste moi qui vois. Donc voilà, après, c'est tout dépend du goût de chacun, mais si on savait tous les bienfaits du jus de pamplemousse, on ferait un effort pour l'apprécier. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est bon pour la tension si vous ne prenez pas des médicaments, mais autrement, voilà, il faut quand même demander à votre médecin. Donc voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwazim Lati. Partagez, likez. Salam alaikum. Merci à tous.